bien salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers, vous êtes en compagnie de Bifa24 et j'espère que vous allez tous bien, j'espère surtout que vous pétez la forme parce que aujourd'hui mes chers amis, pour cet épisode 17 de cette petite série, on va essayer d'affronter le boss. Ouais, j'avais dit que j'allais farmer et tout, mais en fait non, pas du tout. J'ai envie de l'affronter, j'ai envie de me donner, j'ai envie de me fight avec lui, j'ai envie de réussir. Donc j'ai pris tout ce que j'avais à ma disposition au niveau de la nourriture, également aux objets qui pouvaient m'aider à, entre guillemets, augmenter ma fortitude, les dégâts, etc. Donc du coup, on va tenter de faire ça ensemble. Donc c'est parti, let's go. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal, un petit peu de fight comme ça, histoire d'affronter le boss pour ensuite livrer la marchandise. Rappelez-vous, c'est ça le but, c'est de livrer la marchandise. Allez, let's go. Donc j'imagine que je vais devoir déjà affronter les petits crustacés déjà auparavant, et ensuite j'affronterai le boss final. Je pense pas que les petits crustacés vont respawn. Allez, c'est parti. Ok. Alors, nous voici déjà dans la fameuse petite grotte. Alors, juste auparavant, on va regarder. Donc, ils disent que ça va augmenter notre attaque. Donc, on va le faire. Ensuite, ça augmente un petit buff pendant 10 secondes. Donc, ça, on va le garder de côté. Ça, c'est ce qui restaure de la fortitude. Donc, ça ici, ça là, ça c'est quoi ça? Ça augmente notre fortitude pendant pratiquement 180 secondes, et ça restaure notre santé. Alors si ça restaure notre santé, il vaut mieux qu'on fasse ça comme ça. Voilà, donc déjà on va affronter les petits là, juste ici. Allez, c'est parti. Ça commence très mal. Ok, je commence à comprendre. En fait, il faut les esquiver. D'accord, ok. Hop. Restaure-moi un peu de santé. Voilà, c'est bon. Ah, j'aurais dû en manger juste un. J'ai fait le con. Ok, là, on esquive. Hop. Ok. On commence à pas comprendre mine de rien. Ça c'est quoi ça? Des champignons rouges. Donc là il y a encore le petit niveau 11. En fait il faut donner des coups. Et dès que vous le voyez faire ça, faites une petite roulade et vous l'esquivez. Voilà. Oh, dans les caisses. Petit coquinou, il y a des... What? Oh, t'es quoi toi? Tu veux? C'était quoi ça? C'était un rat caché quoi? Holy shit! Ok, on va prendre ça. Oh non, j'en ai plus. Oh, j'ai tout mangé. C'est pas vrai. Restore 32 HP. Attends, c'est quoi à côté là? Restore 25. On va mettre ça. Hein. Fortitude. Ok, allez c'est parti là. Et ici toi. Allez c'est parti. On profite du buff. Tout ce que nous avons. Esquive. On peut donner jusqu'à 2 coups, après il faut reculer. Ok. Il est déjà à moitié. Il me reste encore de la stamina. Là je me suis plutôt bien pris pour l'instant. Tout se passe bien. Aïe, faut pas trop parler. Tac. Il faut bien enchaîner hein. Il faut bien respecter, bien ranger ses trucs. Là c'est un peu la merde parce que du coup je suis un peu désorganisé. Ok, c'est bon. Normalement ma santé va peut-être augmenter encore. Je suis pas sûr. On va prendre du lait, on va prendre de la viande. Faut prendre son temps. Hein. Voilà, hop. Et après on y revient. Grâce au buff des choses que j'avais dans mon inventaire, c'est ce qui permet de pouvoir le détruire beaucoup plus facilement, ou plutôt lui mettre beaucoup plus de dégâts. Là il attaque, esquive roulade. Coup d'épée. Roulade. Coup d'épée. Roulade. Et coup d'épée. C'est bon. On a réussi mes chers amis, on a tué le boss. Wouh, c'était tendu mais on a réussi mine de rien.
Donc on va tranquillement manger de la viande. Ça nous a donné pas mal de viande. Donc on va regarder ce qu'il nous a donné. Donc on a réussi à avoir un cache-œil. Ça, je pense que c'était le rat. Le croc, c'est pareil, ça doit être le rat. Par contre, il nous a donné des pierres de sang. Donc c'est un minerai, ou plutôt un minéral rare, brillant et extrêmement résistant. Parfait pour fabriquer des outils. Donc c'est cool. On va pouvoir fabriquer des outils grâce à ça. Ça, c'est ce qui restaure des HP. Donc on va le mettre à côté de nous. Ensuite, on a réussi d'avoir des pinces d'homard puissants et solides. Hop, nickel. Toujours des petits trucs comme ça qui fait extrêmement plaisir. Et du coup, on va pouvoir avancer. Ah, attendez. On a de la chair d'homard. Donc la chair du homard est riche et tendre et son goût est bien supérieur aux autres viandes. Également des coquillages, on en trouve sur plage. C'est très joli, donc c'est un récolte de bulletin. Des mucus. Donc ils disent que c'est sécrété par les scarabées. Carrément dégoûtant, donc c'est une sorte de bulletin. Une pince de homard puissant et solide. Voilà, je pense que ça on l'avait déjà. De la fourrure animale intacte qui permet d'être utilisée pour fabriquer des objets. Ok, bon après tout le reste on le sait déjà. Ça par contre ça restaure 60 HP, on va le mettre ici. Voilà, allez c'est parti. On continue du coup. Ah, nous revoilà avec des rats. Oh non, j'ai oublié de faire la roulade. Ok. Donc ça c'est bon. Et ensuite on arrive au lieu qu'on devait rejoindre. Et là on répare. Voilà, chose faite. On peut allumer le générateur. Qu'est-ce qui se passe? Wow, ça fait peur des fois. Hein. Quand il y a des sortes d'introductions comme ça, des fois on a l'impression que le jeu il plante. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, ça va être le fight. Let's go, come on, biatch. Ok, roulade. Roulade. Aïe, aïe. Bande de salopio. Ah, est-ce que j'en fais des rats? Aucun respect. Ok. Donc après, bon, il y a pas mal de choses dans les caisses. Il va falloir sûrement que j'aille les ramasser plus tard. Je pense qu'en vrai je vais les ramasser plus tard parce qu'en fait j'ai peur de pas avoir assez de stamina. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais mais il y a encore plein de caisses. Mais le problème, ouais, comme je vous ai dit, on visitera ça plus tard. Bon, pour l'instant on va essayer de respecter le truc parce que la stamina, c'est pas moi qui contrôle ça hein. Ah mais c'est eux qui volent. Regardez, j'ai le saut d'Emily. C'est les rats qui volent. C'est eux les responsables. Ok, ça va le faire. Ok, nice. En fait, c'est eux les voleurs dans l'histoire. Il va falloir que je vérifie bien correctement dans la grotte. Il doit sûrement avoir le livre de du vieil homme et etc. Ah, regardez, il a ici un objet là. Aïe. Ah, ils m'ont bien eu hein. Ok. Donc là tranquille. Il faut respirer, il faut prendre son temps. Donc ça je mets ça ici. En plus j'ai pas une arme excellente hein. J'ai vraiment une arme basique. C'est un truc d'entraînement déjà de base. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quoi. Ok. Donc là on a la lampe de Gust. Donc on arrive à récupérer les objets mine de rien. C'est ma barre de stamina que j'ai peur. Ok, il y a deux endroits. On va prendre à droite. Aïe. Ok, on mange ça, on mange ça. Alors attendez, j'ai pas un truc pour restaurer ma barre? Je crois que non. J'ai tout sauf ça. Hein. J'ai pas avoir assez d'énergie, hein, je le sens. Fortitude, ajoute des buffs, PV. Ça, on va mettre ça là. Ça,
ici et ça ici. J'en ai mangé un petit peu, bon c'est pas si grave que ça. Ok. Je pense pas que j'aurai assez d'énergie. Oh, en plus, il y en a deux qui se met sur moi comme ça. En vrai, il vaut mieux qu'il soit à deux sur moi. Comme ça, j'utilise un peu moins de stamina. Il y a encore un coffre derrière. Ah, je vais pas avoir assez de stamina. Non, j'aurais passé. Info sûre. Ouais, plus de stamina. Ah, quand je mange de la viande, ça m'en donne. Intéressant. De la chair de main. Ouais, mais ça, je pourrais pas le manger. Ça, par contre, je vais pouvoir le manger. Donc on va le mettre ici. Ok, on a des saphirs et des golds. Là par contre ça commence à être chaud là. Parce que... Ah là j'ai pas de viande, j'ai pas de viande. 7 de stamina, je pense pas que ça suffira pour tuer le monstre. Hein. Il me reste un point de compétence. Le coût en endurance est réduit de 3 par seconde en sprintant. Le coût des roulades, ouais, mais c'est pas ça qu'il me faudrait, moi. La fortitude max de 2%. L'endurance maximum augmente de 5%. Bon, on verra. Je pense pas que ça va passer, honnêtement. Et ouais, plus de stamina. Aïe. Ah ouais, je peux rien faire. Allez, je me casse. Faut que je sorte de la grotte. Ah mais je vais pas pouvoir. Comment je fais? Il va falloir que je cours entre eux alors. Vas-y, on va essayer ces techniques là. Je vais essayer de passer en sprintant en fait. Aïe. Ça m'empêche pas de faire de la roulade, d'accord, ok. Je peux même pas ramasser des objets, je peux rien faire. Ajouter un morceau dans le bouillon, oh là là. Je sais pas si j'ai réussi, il y avait une sortie. Oh, j'ai réussi à récupérer de la stamina. Ah, lui, ça doit être le chef alors. Je sais pas comment j'ai fait, mais les mecs, j'ai réussi. Par contre, il me reste plus rien pour combattre. Ah, j'imagine qu'il va y avoir une scène. Donc, lui, c'est le roi des voleurs à première vue. Les rats, en fait, c'est des voleurs dans la série, hein, d'après ce que je comprends. Les objets volés. Vous êtes les voleurs! Quick, quick, quick. D'accord, ok. Regarde ce que j'en fais, tes soldats, moi. Monsieur Quick, quick. Je les démonte. Wow, ok, lui, il a des attaques un peu spéciales. Hein. Hop là. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ok, j'essaye de récupérer un peu les objets en attendant. Ok, donc ça fait une pause. Par contre, ça, je savais pas. Oh, putain, si j'avais su. Ok. Donc ça, là. Ça va être chaud parce que, mine de rien, je n'ai aucun objet pour régène. Aïe. Genre, je sais pas comment ça va se passer. Ok, je suis KO. Faire une soupe, ajouter un morceau de viande. Alors attendez, on va tenter de faire des trucs. Non, c'est pas ça. Non.
Je vais y arriver. Ajouter un morceau de viande, ben c'est ce que je fais, c'est un morceau de viande ça, non? Allez, qu'on se dit par contre un morceau de viande. Bon, ben c'est pas bien grave. Alors ce qu'on va faire, mes chers amis, c'est qu'on va se quitter là-dessus. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller rush directement à la maison pour poser tous les objets que j'ai sur moi, parce que c'est horrible, j'ai trop d'objets. Ensuite, pour le prochain épisode, on va affronter le boss, monsieur le rat, le prince des rats. Donc monsieur Kui-Kui, hein, comme ils disent. Et puis voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, également de commenter pour dire ce que vous en pensez, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre les réseaux sociaux, notamment Discord dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.